Salut à tous! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, le contenu de la Birchbox du mois d'avril. Et oui, je sais, dans ma dernière vidéo Birchbox qui était celle du mois de mars que je vous laisse juste ici, je vous avais dit que je m'étais désabonnée. Sauf qu'entre temps on a pu choisir un des produits de la box d'avril. J'ai reçu un mail même si j'avais été désabonnée. Et le produit en question était plutôt cool puisqu'il s'agissait d'un rouge à lèvres Sleek. Alors Sleek, c'est une marque dont j'ai uniquement un blush que je porte aujourd'hui et que j'adore. Du coup je me suis dit allez, c'est l'occasion de tester un autre produit de la marque. Du coup je me suis réabonnée et puis je me suis dit allez, c'est ton petit plaisir, tous les mois c'est que 13 €, donc bon voilà. Du coup j'ai été teasée sur la box ce midi même sur en fait le fait qu'elle avait ces couleurs là qui est super jolie pour fêter l'arrivée du printemps, et surtout qu'il s'agissait d'une box tiroir. Et apparemment Birchbox l'a déjà proposé il y a genre un an et j'ai trouvé ça très cool, et quand je suis arrivée chez moi et bien elle était là. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Et il faut savoir que avril pour moi c'est assez particulier parce que je suis née en avril, donc j'espère qu'elle va être bien. Alors je ne regarde pas à l'intérieur. Donc j'ai le petit livret qui est tout en couleur comme ceci. Donc déjà je sais que je vais avoir le rouge à lèvres. Alors du coup on va ouvrir la box ensemble et je découvre le premier produit. Ah ça c'est génial! Shampoing cheveux blond clair ou platine de la marque Amika. Alors ça c'est hyper cool parce que c'est une marque dont j'ai entendu parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Et apparemment elle est géniale, donc je suis très contente de pouvoir la découvrir. L'échantillon fait 20 ml et du coup c'est un shampoing comme son nom l'indique pour les cheveux blonds ou platine. Alors les miens ne sont plus très blonds mais j'adore les shampoings violets. Je vous parlais de mon shampoing violet que j'utilise régulièrement qui est un L'Oréal dans une vidéo cheveux que je vous avais faite récemment que je vous laisse juste ici. C'est un shampoing que j'adore, c'est un des seuls qui me fait ressortir un petit peu mes reflets. Du coup ben ça c'est très cool. Et en format full size il vaut 21 € et il fait 300 ml, donc voilà, c'est plutôt super cool. Ensuite le second produit, il s'agit d'une crème lissante éclat boréal à l'olivier de Sibérie de la marque Polaar. Alors Polaar, je crois que j'avais déjà reçu un produit, je ne sais plus lequel, il y a 25 ml. Et en fait c'est une crème visage, il dit c'est un soin visage peau parfaite qui va vous rendre accro toute l'année. Sa texture fondante et ses 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Le prix full size de 50 ml vaut 34 € et il y a moitié moins, donc on a l'équivalent de 16 €, donc c'est hyper cool. J'ai hâte de tester ça. En ce moment j'essaye la crème pour le visage à la tomate de Garancia que j'avais reçue en mars et que j'aime beaucoup. Du coup et bien j'ai hâte d'essayer celle-ci. Ensuite toujours de la marque Amika, j'ai un après-shampoing également pour cheveux blonds et platine comme ceci qui se présente du coup à usage unique. Donc c'est plutôt pas mal, pratique pour amener en voyage par exemple. Il fait 15 ml, voilà. Et en fait ce petit produit ci va avec le shampoing puisqu'en fait dans la box il y a 6 produits, donc c'est plutôt honnête. Ensuite on a un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage, crée ou prolonge un éclat doré naturel, bronzage progressif, prolongateur de couleur. Mais c'est génial ce truc. Alors on a 30 ml, fait aux États-Unis. Alors je suis assez curieuse. Donc en fait le prix vente fait 200 ml et vaut quand même 25 €. Et en fait c'est un lait corps hydratant qui apporte une petite touche dorée. Et bien c'est parfait, je vais l'amener avec moi au Japon pour faire genre que je suis un peu bronzée. Ça peut être pas mal, mais c'est trop bien. Alors c'est assez cool parce qu'en plus ils disent qu'il ne fait aucune trace et donc que c'est bien pour les débutantes, notamment pour moi qui ne mets absolument jamais d'autobronzant parce que j'ai trop peur des taches d'en mettre partout, puis parce que je n'y pense pas forcément. Donc c'est plutôt cool, ok. Ensuite bien sûr on a le fameux rouge à lèvres de chez Sleek qui se présente comme ceci. Moi j'ai choisi la couleur, alors il n'y a pas écrit, mais c'est une espèce d'orangé comme ceci. Alors je ne vais pas l'essayer tout de suite parce que j'ai actuellement un autre orangé sur les lèvres, mais je vous aurais mis ici si c'est bien. Alors déjà au niveau du packaging, je trouve que ça fait quand même un petit peu cheap, ça fait très plastoc, pas de très bonne qualité. Quand on tourne on sent qu'il y a Enfin, il n'y a pas trop de résistance, quoi, ça va un peu tout seul. Et j'ai peur que ça se barre, hein, de ces quatre. Bon, enfin bon, c'est pas grave. J'ai la teinte Backstage qui est la 1003. Et voilà. Bon, après, à l'unité, il ne vaut pas cher. Donc c'est pour ça aussi, à l'unité, il ne vaut que 6,80€. Et c'est une marque anglaise. Voilà, et c'est un rouge à lèvres semi-mat. Voilà. Et le dernier produit duquel... Ah, génial! Je croyais que c'était une brosse alors que j'ai déjà deux brosses dans ce style-là. Il s'agit d'une brosse de massage pour le cuir chevelu. Alors ça, c'est juste trop stylé. Une brosse pour faire comme ça, j'imagine. C'est génial! Donc elle est vendue à 7,57€ sur le site de Birchbox. Et ils mettent cet accessoire intriguant sera votre nouveau geste préféré sous la douche. On parie, cette brosse masse et stimule votre cuir chevelu pendant que vous vous shampouinez tranquillement. Elle booste la pousse des cheveux en stimulant la microcirculation. Et bien moi, je ne sais pas si j'ai envie que mes cheveux poussent. Donc, mais c'est très original, très cool. Donc bien écoutez, j'ai hâte d'essayer ça, c'est plutôt très drôle. Donc voilà, écoutez, c'en est tout de cette vidéo. Alors le bilan, je suis assez contente. On a encore une fois des produits cheveux. Un produit corps, un produit visage, un produit maquillage et un produit encore pour les cheveux, donc c'est pas mal. J'aurais peut-être préféré un soin, mais bon, ça c'est une crème, donc c'est un petit peu le cas. Mais j'ai hâte d'essayer tout ça comme d'habitude, c'est l'occasion d'essayer plusieurs produits. En plus, on a des full size comme le rouge à lèvres et ça. Et puis ça me permet de tester plein de produits. C'est pour ça que je suis restée abonnée à Birchbox, parce que je découvre des produits, des marques. Parfois, je rachète même les produits en question que j'ai adorés. Parce qu'il y a des produits qui, grâce à Birchbox, je les ai adorés, je les ai rachetés. Comme le masque au miel de chez Apici à Paris, l'huile ensorcelante de chez Garancia. Vraiment, c'est mon petit plaisir du mois et du coup, vous pourrez... retrouvez cette vidéo le mois prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir toujours plus nombreux et nombreuses ici. Restez connectés si vous aimez les voyages et le Japon, parce que au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai rentrée du Japon et je pense vous faire fortement une vidéo sur le sujet. Donc voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!